Bonjour, bonjour les amis, c'est Dark Angel alias Kiki le collectionneur et bienvenue sur ma chaîne pour un nouvel épisode d'Assassin's Creed 4 Black Flag sur PlayStation 5. C'est toujours la même session, hein. Nous sommes toujours le dimanche 27 octobre 2024 et je tourne cette vidéo juste après l'autre. Là on était venu simplement pour récupérer un petit fragment d'Animus. Vous voyez, on est carrément dans la partie 3, mais elle apparaissait sur la carte et on avait fait aussi ici le Black Trench. Alors, nous avons eu un plan pour une voile. Donc ce que je vais faire, je vais aller attaquer ce fort numéro 3. Voilà, ça avancera dans le jeu, ça débloquera tout ce qu'il y a à faire ici dans ce coin. Et après, j'achèterai la voile. Voilà. Parce qu'ici dans Touloum, il n'y a pas de vendeur en fait. Donc je préfère attaquer le fort. On attaque le fort, comme ça libérera la zone. Ça nous avancera dans le pourcentage parce qu'il faut attaquer. Il y a un défi Abstergo où il faut capturer, je crois, tous les forts. J'en suis pas sûr, mais je crois. Et ça nous permettra de récupérer aussi quelques fragments d'animus et de coffres à droite à gauche pour avancer aussi dans ce défi. Et on achètera la voile qu'on a eu comme la carte, parce que comme on a l'équipement, l'argent, on a tout, autant se faire plaisir. Alors, toc et toc. On va aller à Shinchiro apparemment. Fort de niveau 3, donc ce sont les forts les plus puissants. En fait, c'est simplement qu'ils ont plus d'armement et de trucs à détruire que les autres, c'est tout. Il n'y a pas non plus. Des fois, ils ont des bateaux tout autour, mais là, il a l'air tout seul. Voilà, il nous a repéré, bien entendu. Regardez. Moi aussi, je peux faire ça. Alors. On va tourner, alors on s'en prend plein la face, mais c'est normal. Mais on s'en fout car on a la coque d'élite. Donc on a extrêmement beaucoup de. Tiens, il y a un chasseur qui va se pointer dans la bagarre. Non, c'est pas des ennuis. C'est juste de la distraction. Et il m'a bouffé quand même. Et la tempête s'en mêle en plus. Yes, voilà, il nous tirera plus dessus, on n'aura plus de boulet. On va s'occuper des bateaux. Parce que ces braves monsieur sont venus dans la bagarre. Ouais, j'ai vu. Et on l'aborde, comme ça on va pouvoir réparer son bateau. Et là ils sont foutus les mecs. Ah, 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 ah. Ouh, je t'avais pas vu toi, dis donc. Et pourvu, alors d'emblée déjà comme ça une petite bagarre. Voilà, 5. On va détruire les bateaux, on va récolter ce qu'il y a récolté, ça nous donnera des petits trucs, on s'en fout quoi qu'il donne. On est blindé et après. Oh, il y a le gros bateau qui passe juste à côté de nous, il est vraiment collé à nous. Bois, alors 35 en bois, 35 en tissu, 10 barres explosives et un monde d'équilibre. On va réparer le jack d'eau, bien entendu. Parce que le gros bateau, je ne sais pas s'il est touché, je pense pas qu'il soit touché. On s'est vraiment focalisé sur le fort. Puis comme il y avait des bateaux autour, ça a attiré l'attention. Alors là, ils ont été malins. On prend le capitaine.
Ah les nazes. Oui, ils auraient mieux fait de pas commencer à venir nous embêter. Ça c'est sûr. Voilà, au moins le gars, lui, il est sûr qu'il va rester ici. Bon, messieurs. /10. Voilà. Pas besoin de descendre sur ce genre de bateau. Là, t'as le fort, il dit, vous nous le dites, hein, si on vous dérange. 30 en bois, 30 en métal, 30 en tissu, c'est pas mal. 8 boules explosives, 4 projectiles mortels, ça c'est très bien. Et 3 membres d'équipage. On répare le bateau, on va accoster l'autre. En espérant que l'autre n'a pas bougé, parce qu'on l'a touché, mais... Est-ce qu'il va pas se barrer? On les prend un par un. Rien, c'est pas... Eh, hey, te barre pas, toi. Il est en train de faire un demi-tour, le coco, là. Oh là là. Ça le lâche. Ça vient... Ah, il m'a entendu, regardez. Il m'a entendu. Non, mais ça vient de... De taquer le fort et puis après quand on est en train de massacrer tous les copains tout autour, bon bah écoutez, advienne qu'en pourra ça, hein. 7/15, pas mal. Il a protégé son pote, tiens. Ils veulent tous toucher. Il dit, j'ai blessé le capitaine Kenway. Non, jamais. Bande de larves. /80 rhum, /25 sucre, 6 boules explosives, 4 projectiles mortiers et 5 membres d'équipage. On est au fond, donc là on va l'envoyer à la flotte de Kenway. Ça nous fera des diamants. Félicitations, mon gars. Belle ajout à notre flotte. Oui, t'as vu, hein. Mais attendez, les amis, partez pas comme ça. C'est fou ça, hein. Là t'as le fort, ils disent, mais attendez, vous nous avez vous avez massacré notre fort pour rien en fait. Non non, on arrive, mais c'est eux là. L'équipage, 15 personnes et tu le capitaine. Quel capitaine, il n'y en a plus. 2/15 seulement. Oui, faisons payer l'entrée de notre bateau. Bah, il faut savoir, allez, soit tu les fais payer, soit tu les fais... Le gars qui a pas compris, c'est... Faites-les payer, les gars. C'est 100 roupies l'entrée. 100. Pour visiter le fameux bateau du capitaine Kenway. Et ne volez pas l'or qu'il y a sur nos bateaux. Risquerait de gratiner un... Oh ah. Il m'a fait passer par-dessus. Laissez-moi ce cochon. Voilà, embroché. Tiens, moi aussi je fais passer les gens par-dessus bord. Il en faut combien encore? Possible. Oh, ça n'en finissait plus.
50 en bois, 90 en tissu, 4 boules explosives, 2 projectiles mortiers et 5 membres d'équipage. Envoyez la flotte de Kenway. Ouais, c'est parti, ça nous fera des diamants. Tiens mon gars, félicitations. Bon, c'est fort. Les voiles commencent à être sales. Elles sont moins blanches qu'avant, hein. On va vers la terre, capitaine. Garde tout, monte la grande voile. Arrêtez la grande voile. Carguez les perroquets. Ça explose de partout. Attendez-moi les gars, j'arrive. Laissez-moi-en. Ouais, il a tué ses potes, hein. Il a tué ses potes. La mort venue du ciel. Ça pète de partout. C'est pas grave, je voulais m'amuser un petit peu avec les soldats, mais ils m'ont embêté là. Ouf. Ah, tu veux pas te rendre, toi? Bon. Ah, on peut dire que tes gars se sont bien battus, hein. Allez. Salut. Notre premier fort de niveau 3. Voilà, ça nous fera un petit port d'attache quand on sera dans la zone du sud-ouest. Alors bien sûr, tac tac tac, ça va déblayer pas mal de choses. Voilà, puis des lieux aussi, voilà. Oh, il y a une... on peut visiter à côté, là. Puis là, ça va être notre dernier... Ouais, le dernier contrat, vous voyez, le 1 sur 2. Le 1 sur 2, le contrat d'assassin, c'est pour ça qu'elle n'est pas activée. Et on remontera là, il y aura celle-là. Et on remontera là et on pourra venir ici. À rigueur, faire ça et puis faire ça. Comme ça, on suit un petit peu le truc, on récupère ce qu'on peut récupérer. Tac, 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 parce qu'en même temps, j'aurais bien avoir des plans. J'aimerais bien avoir des plans, j'essaie d'organiser, ouais, et puis même récupérer des petits trucs, peut-être comme t'es là. Ouais, ouais, on peut, allez, vas-y, on va faire ça, on a débloqué le fort. Alors, on était nus pour ça à la base. Vas-y, Nassitalgo. Commercer, les munitions, bien sûr, boule explosive 39 sur 40, on n'a pas utilisé grand-chose. Projectile mortier, d'accord, ok.
apparence, voilà. Voilà, la voile fleurie, 3500 relais, 400 en tissu, ensemble de voiles à motif floral. Voilà. Alors, on va la laisser, sachant que l'autre est un peu sale. Attendez. Alors, communautaire, on l'aura jamais, malheureusement. Enfin, on l'aura plus jamais. Ah, il nous faut encore un plan. Hein. Encore un plan. Communautaire, on l'aura plus. Un plan, donc deux plans. On l'aura plus. Voilà, exécuter en exécutant tous les contrats navals. Donc, il nous reste deux plans et tous les contrats navals. Bon, ok. Oh bah écoutez les gars, on a une nouvelle voile fleurie. C'est de l'esthétique. Regardez là, la voile, vous voyez, elle est... Ben voilà, elle est comme ça, elle a des motifs. Tu veux fausser compagnie aux soldats ? Non, ça me dérange pas de les attaquer, les corsaires. Ils veulent se faire un nom, laissons-les se faire... une réputation de courageux mais mort post-mortem. C'est vrai que j'avais déjà récupéré un fragment d'animus. Et là, les deux coffres. Alors, est-ce qu'ils sont à l'intérieur? Parce que des fois, il y a des coffres à l'intérieur. Et des fois, là, tu vois, ils sont à ce niveau-là. Des fois, ils sont... parce qu'on n'a pas l'habitude de rentrer dans les bâtiments, dans les forts. C'est très rare. À part pour tuer le... Voilà. À part pour tuer le gars, et puis c'est tout. Mais là, pour une fois... Voilà. Toc. Et ben voilà, normalement, à part les contrats navals, il y en a deux. Bon, bah écoutez, on va en lancer un, puis on récupérera ce qu'il y a à récupérer au passage. De toute façon, on est devenu quasiment imbattable maintenant. Alors, contrebande, lancer mission. Contrat naval, contrebande, 2400 RLS, niveau 5, difficulté 5 étoiles. Salutations, corsaire, il est temps de mettre fin aux activités de ces contrebandiers espagnols. Ils prétendent naviguer aux ordres de la couronne d'Espagne, mais leurs divers navires transportent en réalité des marchandises d'une nature plus que pernicieuse. M'aideriez-vous à en venir à bout? Signaux Milo van der Graft, honnête marchand et ami. Allez, vas-y. Vas-y. Les frégates espagnoles. Frégate, bah voilà, c'est espagnol. C'est pas grave. Ah, on l'aborde. L'autre nous a attaqué, mais c'est normal. Donc il faut tuer une frégate et deux briques espagnoles pour réussir la mission. Donc, on n'a pas vraiment de cible bien précise, c'est pour ça qu'on n'avait pas de logo 9 sur 15, pas mal. C'est pour ça qu'on n'avait pas d'emplacement où aller. En fin de compte, hey,
Mais t'étais où toi? T'es passé par-dessus l'autre côté en sautant par la corde ou quoi? Il sort de l'eau, il a fait tout le tour. 144 en bois, 90 en métal, 6 boules explosives, 2 projectiles mortiers et 5 membres d'équipage. Vraiment mal. On répare le jack d'eau, on peut pas le garder. Faut le couler apparemment. Brique, le coulez pas, le coulez pas, ne le coulez pas. Je suis obligé de me mettre devant. Disons, il y a beaucoup de passages, je trouve, en bateau ici. Hein. Voilà. Il y a beaucoup de passages, hein. Ça va vite. Et en plus, ce genre de mission nous rapporte de l'argent, mais en plus, on fait le plein aussi. 80 en bois, 50 en tissu, 6 boules explosives et 3 membres d'équipage. On va réparer, il est un tout petit peu abîmé. Arrêtez, arrêtez. Oh, ils l'ont coulé, c'est... Ils l'ont coulé. C'est là qu'il est le plus vulnérable. Reste collé à lui. Empêche-le de pivoter. Et ben voilà. On a réussi la mission. Est-ce qu'on va nous laisser quand même... Ouais, on va nous laisser quand même le... On va quand même nous laisser le dépouiller. En rhum, 80 en sucre, 9 boulets explosifs, 3 projets mortiers, 3... Oh, bah, je suis déçu. Hein. Franchement, il est pas terrible celui-là, c'est pas grave. On a fait la mission, c'est l'essentiel. On va retourner au fort pour faire la dernière mission. Si il nous la donne, bien sûr. Allons-y. Puis en même temps, on fera le plein de munitions. Réparation, c'est bon, normalement. Toute la toile. Alors là, il a pas voulu s'amarrer. Vous êtes double maintenant. D'accord. La tanière des contrebandiers. Alors, la tanière des contrebandiers, contrat naval. Récompense 2400 riales, difficulté 5. Que salutations, corsaire. C'est un jour sombre pour la liberté. L'un de mes magasins, situé, il est vrai, dans une ancienne tanière de contrebandiers, est victime du blocus d'une flotte espagnole. J'espère ardemment que grâce à vous, mes marchandises pourront échapper à ces oppresseurs. Signé au Willow van der Graft, honnête marchand et ami. Allons-y. Alors, pourquoi t'as pas voulu t'amarrer Pourquoi t'as pas voulu t'amarrer? Non, mais attendez, une minute, vous êtes en train de tirer par-dessus mon bateau, là.
Est-ce que vous êtes prêts pour la bagarre? Alors j'aime trop parce qu'on va rejoindre les corsaires. Bon, on a un petit contretemps. Il va y avoir des corsaires avec qui on va se battre, qui vont attirer bien sûr les autres bateaux alentours. Il y a trop de monde ici. Beaucoup trop de monde. Moi je peux prendre trois bateaux d'un coup s'il le faut. Alors, bonjour. Bonjour. Ah, le boulet passe à travers. Non mais attendez, vous plaisantez là. Ne laissez pas aborder. Dommage. Il en manquait juste un. Je sens que dans cette vidéo, il y aura beaucoup, beaucoup d'abordages, les amis. C'est pas que je veux pas les faire, mais ça fait des vidéos un petit peu répétitives. Mais bon, voilà, dans les missions, si on peut, voilà. 130 en métal, 30 en rhum, 6 boules explosifs et 3 membres d'équipage. On répare le jackdaw, bien entendu, parce qu'on est amoché. Mais voilà, ça fait répétitif. Alors, c'est vrai qu'on fait le plein, c'est bien. Mais est-ce qu'on en a vraiment maintenant besoin? Non, je ne pense pas. On a de quoi faire pour améliorer On lance les grappins pour l'aborder, capitaine. Canon paré, capitaine. Ferlez les perroquets, les cacatois. Allez, cacatois. On a de quoi faire pour améliorer. En plus, la base est finie, faut le dire. Hein. Donc, on n'a plus besoin d'argent pour la base. On a acheté tous les bibelots qu'il y avait à mettre dedans. Cosmétiques côté bateau, on est quasiment à la fin. Hein. Il reste que les plans. Et puis, pareil pour l'amélioration, armement pour le bateau. Quoi. Que les plans aussi. Et c'est juste une histoire de plans. Alors, 130 en métal, 30 en rhum, 6 boules explosives et 3 membres d'équipage. On va l'envoyer à la flotte de Kenway. On a déjà niveau 3 en niveau de recherche. On va avoir à nouveau les... À la fin du niveau 4, on va avoir à nouveau les manoirs. Ils perdent rien pour attendre. Regardez-moi, c'est long, c'est le grappin parfait. Dommage. Tant pis, tant pis. Oh! Plaisanté quoi? M'a fait tomber! M'a fait tomber. Et quand il y a trop de mecs, il lock les ennemis autour de lui. Et comme ils sont prêts et qu'ils bougent, ben, ça change de hockage. Et le Kenway, il est un peu perdu. 83 en métal, 23 en rhum, 10 boules explosives, 7 barils d'explosifs et 3 membres d'équipage. On va envoyer le Kenway. Bon, et si on allait faire notre mission? Allez, bah toi tu participeras pas, tu partiras avec ton bateau. Enfin, navire. Donnez-moi de la toile! On a récupéré des choses qui permettront d'améliorer le navire. Toute la toile, il peut le supporter!
Elle est jolie quand même la voile fleurie, hein. C'est sympa. C'est sympa. Ça me rappelle un petit peu aussi, normalement, je ne l'ai pas encore mis, mais vous avez les voiles aussi de d'Altaïr et de d'Ezio et d'Ezio Auditore, de Assassin's Creed 2 et d'Assassin's Creed 1 qui sont vraiment pas mal aussi. C'est vrai que je ne les ai jamais mis. Je me suis concentré sur les trucs à acheter et. Oh, attention, il y a un coffre ici, on va s'arrêter. Nos ennemis quadrillent. Le navire file vers la terre. C'est rien, c'est rien. C'est pas la première fois que je me tape contre une île. Alors oui, c'est vert parce que tout simplement, parce qu'en fin de compte, on va arriver dans la zone de recherche pour la grotte. Et en fin de compte, vous allez voir que c'est dans un cul-de-sac. Et il y a énormément de bateaux. Ça va être une belle fusillade. Une belle bagarre maritime. Non, bon, il n'y a rien d'autre. Ok, on rentre. Il n'y avait que, que ce petit coffre. Et entre parenthèses... Base de données, ah, j'en étais sûr. La faune. Les oursins. Petit animal loin couvert de piquants. L'oursin est capable de tirer profit des galets et des algues pour se camoufler sur le fond marin. Ces piquants sont capables de percer la peau humaine. Ah, j'en étais sûr qu'il y avait encore des... J'en étais sûr. Je sais pas, j'ai vu l'eau et j'ai pensé aux oursins. Je me dis, mais attends, est-ce que je leur ai lu la fiche sur les oursins? Voilà, il y a du monde, hein. Il y a du monde. Voilà des ouais. Sacré blocus. On attend le signal, non, non, non. Je m'attaque au manoir, mais je devrais m'attaquer au petit. Il est vulnérable à cette attaque. Faire feu. Il tire une bordée, attention. Son point faible, c'est là qu'il faut tirer. Il tire en bas. Il tire. Est-ce qu'on l'aborde, capitaine? Oui, on va l'aborder. On va se défendre. Et le manoir, il est foutu aussi. Et là, ils vont commencer à pleurer, les mecs, là. Diminuez les voiles. Le joli, là, il est pour moi. Bonjour, mon mignon. Bonjour, mon mignon. Mort à bord, mes petits éducateurs. Bon. C'était sympa. On n'a pas tout encore... fini, mais honnêtement... j'aime trop les petites flammes, les flammes qui s'envolent dans la nuit, c'est joli. Alors, on dirait un petit feu d'artifice. ...5/15. Par contre, il faudrait trouver... Parce que moi... Merci. Faut pas qu'il y ait trop de morts parce que le manoir va nous demander beaucoup de personnes. C'est pas une
15 personnes qu'on va tuer, c'est une vingtaine. Voilà. J'espère qu'ils vont m'ordonner du personnel. 105 en bois, 15 en sucre, 4 boules explosives, 2 barils explosifs et 5 membres d'équipage. Répare le jack d'eau. Oui, on peut que réparer le jack d'eau. Généralement, dans les contrats navals, il faut simplement détruire les bateaux. Moi, je les aborde pour... ça serait dommage d'avoir simplement la moitié de leur cargaison. Ils tirent sur nous! Attention, Grace! Attention, Edouard! Oh, la vieille va leur rendre visite! Il reste encore un qui est entamé et il reste encore... C'est quoi ces petits bateaux? C'est quoi ces petits bateaux? Rikiki! Des moustiques! Alors ça par contre c'est très bête. C'est très bête de ma part. Détruire les stocks de tout navire, tuer les vigies. Ah, je pensais que c'était le capitaine. Donne des coups sans tuer les personnes lui maintenant. Voilà. Ah, quand même! Il est où mon deuxième truc de poudre? Là. Ah, bravo. Je pensais qu'il avait explosé, mais ça avait... Oh, ils font chier! Allez, un petit peu de calme là-haut. Et voilà. Ah, pas évident, mais on l'a eu. On va encore attaquer l'autre. Désolé hein, pour cette répétitivité. Il est quelle heure, tiens, d'ailleurs, parce que je joue depuis 8h. Ouah, il est 11h07, oh là là, encore. Alors, 1000 reales, oh, c'est bien, 105 en bois, 80 en tissu, 20 en sucre, 6 boules explosives, 2 projets de mortier et 7 membres d'équipage. Waouh, il est 11h. C'est pas possible, c'est pas possible. Alors il y a beaucoup de caisses dans ce coin là récupérées, on les voit. On les voit, on va faire le plein. Et après je devrais arrêter la vidéo malheureusement. On va finir la mission mais c'est dommage, on a perdu. Enfin on a perdu, non on n'a pas perdu de temps, ça fait partie du jeu. Hein, c'est la piraterie, c'est normal que... Mais c'est vrai que là, on a fait beaucoup de combats, on a fait un petit peu de la ville avec Kingston. Est-ce qu'on a vraiment avancé on a fignolé. 4 sur 15, ils ont un stock de poudre. 1 sur 2, d'accord. Euh...
Oh, oh là là, le coup de boule, monsieur. Hop là. Yes. Ah, ça fait du bien quand les bas, c'est tellement intense. Ça fait du bien quand ça s'arrête. En métal, 30 en rhum, 4 boules explosives, 2 barres explosives et 5 membres d'équipage. On est obligé de couler, ça fait partie de la mission. Et normalement la mission est réussie. Parce que là les gars pourront... Le blocus, voilà, le blocus est anéanti. Donc il peut aller à la tanière des contrebandiers, il peut récupérer sa marchandise. Sa marchandise qui a été largement volée. Hein. Vous avez atteint le niveau de recherche 3, voilà, 3 au maximum. Donc on va avoir, on va récolter tout ce qu'il y a à récolter quand même. Toi comme on est ici, tu vois, autant... Et forcément, les chasseurs sont là, mais... Là, je voudrais un petit peu de moment de calme, s'il vous plaît. Et en fait, la tanière du contrebandier, elle était... Enfin, non, même pas. Non, même pas, même pas, même pas. Ouh, il a l'air gros, ce bateau. Chasseur de pirates. Et là, un gros bâton, on va se réfugier sur l'île. Un nouveau lieu, et puis on va arrêter là. Et une taverne, Corozal. Montre-moi ce que tu peux faire. Alors, commercer, munitions, boule explosive 39 sur 40. À chaque fois, on n'utilise pas énormément. Projectile mortier 6 sur 15. Alors, par contre, oui, ça c'est vraiment mon truc. Ben, explosif, hop, d'accord. Là, on peut rien faire, bien entendu. Et puis là non plus, hein, on est bien d'accord. Hein. Ouais, bah oui, tout ce qui est là. Ils mettent en jaune, mais on peut pas le faire. À quoi ça sert? Attendez, il y a une carte au trésor là. La fortune me sourit. Tu fais voir la carte? Ah, c'est dans une grotte sous-marine. Oui, je connais les cartes par cœur au bout d'un moment. D'ailleurs, je crois qu'ici il y avait une carte, hein, mais j'en suis pas sûr. On va. Fragment d'animus. Et là, on va actualiser encore un point d'observation de plus. Il faut faire tout. Il y a un défi qui vous demande de faire tous les points d'observation. Hein. Donc je vous conseille, là il y a un point rouge avec deux gardes, on sait très bien qu'il y a un secret qui doit être gardé, encore un manuscrit sans doute. Ah, les bateaux corsaires arrivent. Il y a la taverne aussi à faire. Ouh. Alors, d'accord. Il y a quand même pas mal de petits trucs, hein, mine de rien, pour une toute petite île. Oh, tu sais ce que, tu sais sur quoi je me suis battu, là. Tu fais pas le poids face à moi, mon gars. T'es veut se mettre en veille. Non, elle se mettra pas en veille. Alors, hop, un trésor en plus, base de données, documents, manuscrits. Chronicas dos Fiestos de Guinée.
Portrait d'Henri le Navigateur, bienfaiteur de nombreux explorateurs du 15e siècle, a autrefois orné la demeure de Peter Bedford. Peter Bedford avait tout. Tout. Il avait tout. Toc. Le petit coffre abandonné là-bas. Alors on voit qu'il y a des contrats d'assassins, mais on se le fera pas aujourd'hui. Comme demain, moi je suis en vacances officiellement, ça sera lundi, je pourrais encore tourner des petites vidéos, prendre l'avance un petit peu sur vous. Ça me permettra de me reposer et puis de me concentrer aussi sur l'autre, de faire les vidéos sur le multijoueur de Call of Duty Black Ops 6. J'espère que ça vous plaît. J'ai eu un petit peu de vue, je suis un petit peu étonné parce que ça venait de sortir. Les gens n'ont pas été trop curieux. Mais peut-être que... Alors, comment faire pour monter là-haut? Voilà. Peut-être que les gens n'ont pas été... Ouais, ils n'ont pas été... ou alors, ça les intéresse vraiment plus, Call of. Dans ce cas-là, ça va faire mal à Activision, hein, parce que c'est quand même leur principal... c'est leur principal... non, pas Activision... attends, Call of, c'est... C'est qui, Call of, déjà? Je sais même plus. En tout cas, ça va faire mal aux distributeurs, parce que sinon... Alors, recherche d'un emploi stable. En arrivant en Jamaïque, je chassais toutes ces idées de mon esprit pour me préoccuper de trouver un emploi. Une lettre de recommandation de mon master Davenport, mon maître, me félicitait les choses, et en moins de 2 semaines, je pus obtenir une entrevue avec un agent de l'estimable Peter Bedford, homme de grande renommée dans toutes les Indes. Occidental est réputé pour son honneur et son intelligence. Il en allait de même pour son argent, de son agent, car l'homme m'embaucha sur le champ et 2 jours plus tard à peine, je renforçais les portes et les toits du quartier des esclaves du domaine. De mon côté, j'étais très bien logé, avec 3 fenêtres dont 2 sur le champ de canne. Quand je les ouvrais, une agréable brise emplissait ma chambre et m'apportait l'odeur et le chant des vagues. Au loin, souvent aussi, j'attendais le chant des esclaves qui avaient le don de m'apaiser les nerfs. La vie était agréable, malgré mon angoisse d'attraper la fièvre jaune ou une autre des innombrables affections qui frappaient fréquemment les nouveaux arrivants dans ces contrées. J'ai ainsi vu 17 hommes et femmes périr de maladies dans les 6 mois de mon arrivée. Il me semblait alors que chacun de mes succès avait pour contrepartie 2 ou 3 dangers. Et le moment venu, ceci se révéla hélas exact. Alors, on en a combien des lettres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15! Il y en a 20 au total. Ils en ont plus que 5. Plus que 5. Alors, c'est vrai, on les a dans le désordre, mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça, c'est la vie. Magnifique, du rhum sur ma veste. Ah, que ça fait du bien, une bonne petite bagarre à l'ancienne. Huit tavernes débloquées. On a trouvé toutes les tavernes, ça y est. On les a tous, les amis. Bon, bah, c'est bon. Bah, écoutez, on va se quitter là, parce qu'il est 11h et des brouettes. Moi, j'ai pas bougé depuis 8h du matin. Donc il faut que je bouge un peu mon cul. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, où est-ce qu'il est mon bateau? Comme ça on va faire un bon petit truc. Oh, ah, il était trop rapide. Il a de la chance. Il finira pas dans mon assiette celui-là. Bon les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo.
Merci encore pour les gens qui me suivent et me regardent, ça me fait extrêmement plaisir. Bienvenue au nouveau, vous pouvez reprendre le cours de vos vies et retourner à vos manettes. Et bon week-end, allez, bon fin de week-end, parce qu'on est déjà dimanche. Allez, ciao les geekos.